salut, c'est Diablo One et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Stranded Deep. Du coup on enchaîne, je suis en train d'enchaîner les épisodes les uns après les autres. Parce que du coup en fait j'ai pas envie de louper mes idées. Donc, pour l'instant je suis dessus là, je suis en train de faire les trucs. Donc on avait dit qu'on ferait justement les structures pour pouvoir manger. Alors on va essayer de faire quelque chose de correct. On va prendre la masse, puisqu'il faut une masse pour travailler. En construction, du coup, on va faire les fondations. Et on va essayer de faire un truc... Alors, je sais pas si on peut... Je sais pas si je peux faire ça. Mais je vais essayer. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis. On va essayer de les mettre dessus. Alors je sais pas si c'est possible. Je sais pas si on peut les mettre dessus. Je sais pas si ça fonctionne. Je n'ai jamais essayé, donc on va voir. Si on peut les mettre dessus, c'est cool. Comme ça, je les mets directement dessus et je les mets au-dessus de la mer. Les bacs à culture. Et puis on va voir ce que ça donne. Et je crois que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait vraiment être intéressant. Alors du coup, on va essayer. Non, ça je récupère pas tout de suite. Donc du coup, tout a repoussé sur notre île, c'est bien. Ça c'est nickel. Parce que du coup, le temps qu'on a été chercher tout ce qu'il nous fallait, on a pu récupérer d'autres matières. Donc ça c'est cool. D'ailleurs, il faudra que je retourne chercher du bois. Parce que le bois, ça part à une de ses vitesses. Et j'ai pas envie de gâcher le paysage de mon île en fait. J'ai pas envie de tout casser, j'ai pas envie de tout déboîter et tout. Donc je vais essayer de plus faire ça sur les autres îles que sur la mienne. Je vais garder la mienne intacte en fait. Enfin pas intacte mais essayer de la garder propre quoi. Le plus propre possible. Voilà. Alors voyons si on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Culture. Voilà. Est-ce qu'on peut les mettre dessus? Non, on ne peut pas. Oh, comme... Alors ça par contre c'est nul. Les cultures sont obligatoirement par terre. Bon. Bah, c'est bien dommage parce que j'aurais bien prévu, j'aurais bien aimé... Bon, c'est pas grave, ça sera une extension de la maison. J'aurais quand même bien aimé, quoi. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage, ouais. Je suis un peu dégoûté. Bon, c'est pas grave, hein. C'est partie du jeu, hein. Voilà, après, on peut pas tout avoir non plus. Mais bon. C'est vrai, pour le coup, c'est un peu... C'est un peu chier, quoi. Enfin... Dommage, on aurait pu faire un truc cool. Bon, c'est pas grave. Après, je peux les mettre là. Je vais les mettre ici. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Et puis on va voir. Je vais essayer. Voilà. Ok. Alors, on va essayer. On va planter... On va planter du coup dans un, on va planter de la pomme de terre. Voilà. Et dans l'autre, je vais essayer de planter du yucca. Je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais. Je crois que si on récupère le... Ça là, voilà. Je me demande si on peut pas le planter. Bien sûr. On peut le planter. Et ben on va voir ce que ça va donner. Parce que ça peut nous donner peut-être de la ressource illimitée. Donc ça peut être intéressant. Bon, au moins ça c'est fait. Au moins c'est fait. Au moins là-dessus on est tranquille. On sait déjà que c'est bon.
On va laisser la houe à côté. On va laisser la houe ici. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Parce que du coup, je n'ai jamais essayé de planter quelque chose dedans. Donc on va voir ce que ça donne si jamais ça fonctionne bien. Et je me vois bien faire mon bateau ici. Donc on va commencer à faire un bateau. On va commencer à se faire le bateau, allez. On va commencer à se faire le bateau. On va se mettre bien. On va regarder comment faire ça. Alors, comment faire ça? Du coup, il faut soit des flotteurs. Donc les flotteurs, c'est dommage parce qu'on avait des bidons en plus tout à l'heure. Et puis après, il nous faut ça. Ok, donc on les ferait peut-être en planche, je pense. On va peut-être faire... plutôt avant de faire quoi que ce soit, on pourrait peut-être fabriquer le... ceci. Qu'en pensez-vous? Ouais, on pourrait peut-être faire ça, hein. Une corde, une hache comme ça. Allez, hein. On va fabriquer ça, comme ça je pourrais fabriquer des... je pourrais fabriquer des trucs en illimité après. Parce que du coup, enfin des planches en fait en illimité. Par contre ça me fait chier parce que du coup ça va utiliser la hache là et... ouais bah c'est pas grave. Je vais pas tout péter chez moi, parce que je veux pas tout péter. Comme j'ai dit, j'aimerais bien garder un peu l'aspect de la... l'aspect... naturel un petit peu de la... de l'île. Dans un sens, je me dis, il y a les gros arbres là. Donc je sais pas. Bon, c'est pas grave, la plateforme elle va me servir. Hop. Je me dis il y a des tout gros arbres là. Je suis comment là? Oula, il faut que je me rafraîchisse. Il faut qu'il se rafraîchisse, sinon il va pas être bien. Il est trop chaud. On peut pas récupérer les corails là? Non. J'ai jamais essayé, alors on sait jamais. Est-ce qu'il a récupéré un peu? Il est toujours chaud, hein. Bah, il a récupéré un petit peu. Il a récupéré un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à l'ombre. Voilà. Et puis, on va attendre un peu, hein, parce que là... J'ai pas envie qu'il chope une insolation ou je sais pas quoi. Les grands là on peut pas les enlever ceux-là donc à la limite si j'enlève les palmiers et tout c'est pas très gênant parce que du coup il y a des gros arbres en fait alors que d'habitude il n'y en a pas tu vois. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir si jamais je déforeste ou pas mais ça m'embête parce que du coup ça repousse pas et on peut pas refaire pousser des palmiers alors c'est dommage. D'ailleurs, ça c'est dommage qu'on puisse pas refaire pousser des palmiers d'ailleurs. Bon, il faut quoi? Il faut du bois et puis des planches, des machins, ok, et puis un marteau. Bon, j'ai tout ce qu'il faut.
J'ai juste pas le marteau en bois. J'en ai un là, je crois. Ouais. Hop. Alors, du coup, hop. Est-ce que je peux la poser dessus? On peut pas les poser sur les fondations. En fait, on est obligé de les poser par terre. C'est chiant, ça. C'est un peu chiant, en fait, leur truc, là. Je sais pas. Putain, c'est chiant parce que du coup je sais pas comment. Je pense que je vais tout rapprocher, je vais essayer de me rapprocher mon lit et tout, je vais essayer de me faire un truc directement ici, mais c'est chiant quoi. Du coup j'aurais bien voulu mettre tout tout sur pilotis et je peux pas en fait, enfin c'est chiant, c'est dommage. C'est dommage de pas avoir pensé à ça quoi, qu'on puisse pas mettre les trucs dessus. Enfin, c'est pas grave, je vais faire des espèces de... Je vais, à la limite, je vais même rapprocher comme ça là. Je vais en refaire un peu là et je vais refaire quelques fondations. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il en faut plus que ça. J'ai une petite idée là derrière la tête, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Il me faut un endroit vide. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je vais essayer un truc. Il me faut du bois. Je vais essayer un truc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un espèce de truc de rangement. Enfin, pas un truc de rangement, mais je me comprends, une espèce de... Comment je pourrais expliquer ça? Non! Ah! En fait, je vais faire une cage, enfin des cages, des espèces de cages où je vais pouvoir ranger mes trucs que je récupère. Par exemple, quand je vais aller dans d'autres îles, au bout d'un moment, je vais avoir besoin de récupérer les noeuds de coco et tout. Donc du coup, je vais les mettre dans une cage, hop, et je vais faire des espèces de placements en fait. Et dans ces placements, je vais mettre les choses qui m'intéressent. Je vais essayer de faire ça, mais après ça risque d'être compliqué quoi. Par contre, j'aimerais bien récupérer. Enfin, j'aimerais bien faire des trucs. Alors, normalement, là, je vais pouvoir faire ça. Construire des planches. Construction. Non, c'est pas construction, c'est fabrication. Fabrication. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Voilà. Ok, donc il faut carrément une bûche. Pour une planche, c'est une bûche. Donc une planche, une bûche. Il va falloir du bois. Ouais, il va m'en falloir du bois.
What the fuck? Ouais, je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais pas qu'il fallait autant de bois. Je pensais pas qu'il fallait autant de bois. Je pensais pas qu'une bûche égale un bois en fait. Enfin, une bûche égale une planche. Ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup beaucoup. C'est pas grave. Du coup, je vais essayer de faire. Je vais commencer. Ouais, je vais commencer ça. Plancher de radeau, ok. Mais il me faut 14. Wow, il va falloir vraiment que j'aille chercher du bois en fait. Ouais, il va vraiment falloir que j'aille chercher du bois ailleurs. Parce que si je fais ça ici, je vais péter tous mes... Je vais péter tout mon stock de bois ici et ça m'intéresse pas. Je veux pas ça... je veux vraiment pas saccager l'île. J'ai envie de garder un peu l'aspect naturel de l'île. J'ai pas envie qu'elle... J'ai pas envie qu'elle devienne dégueulasse, quoi. Enfin, je me comprends. J'ai pas envie que ça devienne nul. Comment je pourrais faire, là? Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que j'ai pas envie de tout péter. J'ai pas envie de tout péter. Il me reste là un truc là. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des petits bois ici? Si. Il va falloir que je retourne sur les îles que j'ai été. Et où j'ai laissé des petits morceaux de bois. Et que je récupère les morceaux de bois et. Et puis ça va me permettre de faire justement. Le radeau quoi. Il y a encore un coffre ici. C'est bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir oublié autant de coffres. J'ai pas souvenir d'avoir oublié autant de coffres autour de chez moi, mais peu importe, c'est pas grave. Tant mieux, dans un sens. Bon, les ficus, à la limite, on s'en fout. Le yucca, j'en ai replanté. L'abri... On s'en fout, le feu je vais en refaire. J'ai plus de petits ficus là. Petit arbre. Petit palmier là, à la limite, je vais le racher. What? C'est pareil, il va falloir que je refasse tous les trucs. Donc il va falloir que je me refasse un feu de camp. Donc le feu de camp, je vais me le faire ici. Feu de camp, il va falloir que je me fasse... Je vais me faire un gros feu de camp d'ailleurs. Attends. Je vais essayer de me faire un bon feu de camp parce que je me suis fait un feu de camp vraiment bien petit là-bas. D'ailleurs ça je vais le mettre là. Hop. On a déjà pas mal de trucs quand même. On a ramené pas mal de trucs. C'est intéressant. Mais il va falloir commencer à faire beaucoup plus que ça. Et il va falloir rentrer dans la partie la plus intéressante du jeu. C'est vraiment l'exploration quoi. Explorer partout pour récupérer toutes les matières possibles. Commencer à se faire des maisons, enfin une maison, une grosse maison, vraiment un bon truc quoi. Ça, je veux ça. Je veux ça ou je veux autre chose? Attends, c'est pas ça d'habitude que je fais. Non, d'habitude je fais ça, je crois. Je sais plus. Ah putain, je sais plus. D'habitude,
Mais déjà, je fais ça, mais il me faut de l'argile. Et pour avoir de l'argile, il faut aller dans l'eau. Et je me fais agresser à chaque fois que je vais dans l'eau. Donc... c'est pas tout de suite que je vais aller récupérer de l'argile, ça c'est sûr. Si, il faut que je fabrique ça, le fumoir là. J'avais un bout de tissu, je crois, quelque part. Voilà. Le problème, c'est que du tissu, j'en ai pas beaucoup. Et je vais être obligé d'utiliser pour mes trucs comme ça, quoi. Donc. Non, c'est pas grave. Je préfère avoir un campement bien. Et puis. Comme ça, c'est pas mal. De la viande fumée, en fait. Ça, c'est bon. Ça, de toute façon, je peux pas le rajouter. Si, je peux le rajouter quand même. Ok, je peux le rajouter. Fume mort, le gros feu de camp. Ok, bah, je vais aller pêcher. Et je vais aller voir si je peux. Du coup, ah, bah, j'en ai encore un là, de bout de tissu. Ok. Parfait, je vais créer un métier à tisser aussi. On va se faire un truc à tisser. Métier à tisser, il faut 4 et 6. Ok, 4 et 6. On va se faire ça tout de suite. Et j'en ai combien des ficelles? J'en ai pas sur moi. Ok, comme ça c'est fait. Alors, je crois que j'en ai déjà de fait. J'ai peut-être déjà utilisé. Non, bah j'ai déjà vu. Alors, 1, 2, 3, 4. Bah, je vais toutes les prendre. Voilà. Ça, je fais toutes les ficelles là. Alors, comme ça, j'en ai d'avance et je suis tranquille. Voilà. Alors, le métier à tisser. Il me faut ça et 6 trucs de bois. Ok. 6 trucs de bois. Elle est où, moche? Ah, il va vraiment falloir que j'aille dans les autres îles chercher du bois. Hein. Ça, c'est d'office. Il m'en manque un. Ah, ça me fait chier, putain. Attends, j'ai pas ramassé le bon truc en plus. Ça me fait chier parce que du coup, je suis en train de m'attaquer à ma forêt alors que je voulais pas. Ça va falloir que je m'en refasse un. J'en ai assez. Alors j'en ai assez. Je vais tout mettre là-haut hein, parce que du coup je suis là-haut maintenant. Je suis en train de me faire ma base là-bas donc ça sert à rien d'aller à Perpète. Donc le métier est ici, on va le foutre ici. C'est dommage, je peux le foutre chez moi ça non? Ouais je peux le foutre là. Du coup je vais le mettre ici, le métier est ici. C'est d'ailleurs dommage qu'on peut pas l'utiliser directement, qu'il n'y ait pas un menu en fait. On est obligé de passer par là mais... En fait, en vrai, on sait pas vraiment ce qu'on peut faire avec. Parce que du coup, le métier à tisser, bah ouais, mais... Bon, je suppose qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein, mais... En vrai, je sais pas trop, quoi. C'est un peu dommage. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc marqué, voilà, ce qu'il faut faire avec, quoi. Donc, voilà. Bon, c'est pas grave. On a un métier à tisser. C'est déjà ça. On va pouvoir fabriquer sûrement deux trucs plus intéressants. Au niveau de ça, c'est bon. Le reste. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire?
Les noix de coco, j'ai toujours pas de bois. Il me faut du bois. Il me faut du bois. Alors, en construction, voilà, c'est ça justement que je voulais regarder. En construction, on a ce qu'on appelle des petits murets. Voilà, c'est ceux-là. C'est ça qui m'intéresse. Il m'en faut. Mais du coup, je pense que je vais les faire en bois comme ça. Et au pire, voilà, genre, au pire, je referai. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Voilà, c'est le toit, donc ça m'intéresse pas. Non, mais je vais faire comme ça. Allez, faire comme ça. Allez, c'est parti, go construction. Comme ça, en fait, je vais pouvoir stocker vraiment mes trucs dans chaque compartiment. Vous allez comprendre après. J'ai ma petite idée un petit peu sur le truc. Quand je vais récupérer par exemple des... Je vais aller sur une île, je vais aller chercher du bois par exemple. Je vais aller chercher des bûches pures. Donc quand je vais aller chercher des bûches en fait, et ben les bûches je vais les ranger dans un petit casier comme ça. Comme ça là, je sais que dans ce casier là, elles sont rangées. C'est rangé, c'est au propre. Voilà, c'est... Ça traîne pas sur mon île quoi. Voilà. Je vais vraiment m'en servir comme, comme rangement. Puis on va essayer de découvrir le jeu parce que du coup je ne connais pas, je sais pas s'il y a une histoire. Je sais qu'il y a une histoire parce que je l'ai vu. J'ai vu ici qu'il y avait une histoire. Voilà, histoire. Mais je sais pas du tout ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas du tout. Pour moi, le jeu c'était un jeu de survie à la base. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je connais pas du tout. Donc, on verra bien. Hop, voilà. Voilà, donc mes petits casiers sont prêts. Donc, je vais pouvoir y mettre mes accessoires. Hop. Par exemple, les feuilles, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, je vais pouvoir refermer encore une fois parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait encore... J'avais encore une planche. Voilà. Et l'avantage, c'est que je pourrais fermer au-dessus. Je pourrais faire autre chose au-dessus. Genre une extension de ma maison par exemple. Ou un endroit où je mettrais mes coffres. Je mettrais tous mes coffres, peut-être en haut. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais faire, mais... Mais je ferai sûrement comme ça. Donc là par exemple, je vais pouvoir y stocker les feuilles. Ici, je vais pouvoir y stocker les noix de coco. Voilà, par exemple. Le tout, que ce soit organisé. C'est pas parce qu'on est perdu sur une île que l'organisation ne doit pas se faire. Voilà. Si on reste organisé, on restera en vie. Ah, je peux pas la prendre. Hop. Non ! Ah. Si on reste organisé, on restera en vie. Voilà. D'ailleurs, il faut que je me refasse un point de sauvegarde du coup, parce que du coup, j'ai plus de point de sauvegarde. Donc, c'est 4 feuilles et 3 planches. Alors, 1, 2, 3. Donc, j'ai les 3 feuilles.
Il me faut 3 bouts de bois. 3 bouts de bois. Alors, je vais vite fait aller chercher 3 bouts de bois. On a 3 bouts de bois. J'espère qu'il va m'en donner 3. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Je vais récupérer les pierres. Récupérer ça. Ok, je suis plein. J'irai les récupérer plus tard. Je vais récupérer aussi l'épurateur d'eau et le mettre ici du coup. Donc là, je dois fabriquer un truc pour dormir. Hop. Est-ce que je peux le poser dans mon truc? Non, je peux pas le poser. En fait, on peut pas les poser. On peut pas tout poser en fait. C'est dommage ça. Hein. Bon, après, c'est pas grave, mais c'est chiant quoi. Enfin. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est un peu chiant. C'est pas grave, mais c'est chiant. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc le bois, on va le stocker ici. Hop. Le petit bois, je vais le mettre à côté là. Parce que je pourrais en avoir besoin aussi. Hop, voilà. Les planches. Je vais les mettre là, les planches. Parce que je sais, j'en aurais besoin peut-être pour fermer. Hop, voilà. Et ben voilà, on n'est pas trop mal, hein. On avance tranquillement, on a mis les plantations, on a commencé à faire notre stock. On a récupéré pas mal de coffres. Bon, je pense que là, on avance plutôt pas mal. Donc c'est bien, c'est bien. On a planté du yucca, on a planté des pommes de terre, du yucca. Il faut que je regarde parce que je crois qu'on peut les arroser, mais... je crois qu'il faut, pour arroser, je crois qu'il faut, ça. Je peux pas fabriquer une gourde, en fait. Je peux fabriquer une bouteille d'eau, mais je peux pas fabriquer une gourde. Je pourrais peut-être la fabriquer, ça, à la limite. Hein. Voyons voir. Avant d'aller dormir, au pire, pour fabriquer ça, il me faut 4. 4 et 4. Ok, bon, allez, 4 et 4. Bah, le jour se lève, donc j'aurais même pas pu aller dormir. Je crois que j'ai vu des bouts de bois là-bas. Je vais en profiter, l'épisode sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Je sais pas trop, comment je suis là, mais... J'ai vu des planches tout à l'heure, là, voilà. C'est pas des planches, c'est des bûches, carrément. Hop, vas-y, viens là, toi. Je prends le plus possible. Voilà. Alors, hop. Les pommes de terre, je vais tout de suite les ranger dans le bordel, là. Je vais les mettre là-dedans. Voilà, le yucca, je vais le mettre aussi là. Enfin, les, pas les yucca, le machin là. J'ai déjà 2 fils ici, j'en ai vu un là. Donc il me manque 1 fil. Bah du coup j'en ai besoin en fait. Je viens de ranger mais j'en ai besoin. 1, 2, 3, 4. On va fabriquer tout de suite le fil. Le fil de là. Donc voilà, on a 4 morceaux de ficelle. C'est bien ça, on a 4 ficelles. Ensuite il nous fallait du bois. C'est ça, ouais, du bois. Ok. Alors, il nous faut 4 planches. Ah, comme ça, on aura plutôt... on aura déjà bien, bien avancé, là, sur la survie. C'est quand même pas mal. Les planches de bois, d'ailleurs, je vais les mettre là-bas. J'ai dit que je vais faire un stockage. Hop. Voilà, j'ai déjà mon stockage de bois. Hop. Voilà, moi j'aime bien quand je suis organisé. Le mieux, c'est d'être organisé de toute façon. Il faut être organisé. Quand on est organisé, on s'en sort beaucoup mieux. Voilà, donc ça, on va les récupérer parce que ça n'a rien à foutre là. Et on va les mettre ici à la limite, dans le bois. Hop, voilà. Il faut avec le bois. Voilà, donc du coup, on a notre atelier tête de tannerie. Du coup, avec l'atelier de tannerie, on va pouvoir peut-être fabriquer du cuir. Alors... Du cuir. Comment on fabrique du cuir? Du cuir, il nous faut ça. Ok, bah j'en ai même 4. Donc il faut être à côté de l'atelier de tannerie. Voilà. Alors, lance pistolet, lance protection. Donc voilà, du cuir. Donc on va en fabriquer. Bah on va en fabriquer
On va en fabriquer plein parce que du coup, voilà. Voilà, je peux plus en fabriquer. Je peux plus en fabriquer. Donc, c'est que je dois être au taquet. Ouais, j'en ai fait 4, ok. Donc, du coup, on va essayer de fabriquer ça. Petite mousse. Bah, attends. Ah, il faut être dessus. Ah oui, il faut être dessus, ok. Une outre. Donc, voilà. Et du coup, on fait comment alors pour s'en servir de ça? Il faut que je ramasse l'eau. Non, faut pas que je ramasse l'eau comme ça, je pense. Peut-être que je remplisse la gourde avec l'eau là, peut-être. Je peux pas. Ah ouais, en fait, tu remplis directement. Et est-ce que je peux l'utiliser pour arroser, maintenir? Mais oui, voilà, putain, c'est. Mais c'est parfait ça, c'est parfait, c'est parfait. Et ben du coup, on va faire ça. Du coup, on va faire ça maintenant. Avant que le jour change. Bon, le jour change dans une heure, on a le temps. Je vais essayer de fabriquer ça tout de suite. Pour être tranquille. Donc, ça, c'est une étape, hein, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie dans le jeu. Donc, c'est parfait, ça me fait avancer un peu. Du coup, je voulais fabriquer quoi? Je voulais fabriquer. Oui, je voulais fabriquer un autre distilleur d'eau. Donc, il me faut de la ficelle encore. Un, deux, trois, quatre. Donc je vais fabriquer. Je vais en fabriquer deux. Je vais fabriquer deux distilleurs d'eau. Voilà. Il me faut ça et il me faut du coup deux gourdes. Donc il me faut de la noix de coco. Une, deux noix de coco parce que je vais en fabriquer deux. Donc un. J'ai mon inventaire qui est plein en fait. Plein de conneries surtout. Ça j'en ai pas besoin, je vais le remettre dans le bois. Voilà. Voilà, ça me fait de la place déjà. Voilà. Du coup, on recommence. Déjà ça je vais le mettre comme ça. Voilà. Il me faut 1 et 2. Ça m'en fait 2. J'ai dû en boire un. Il me faut une feuille. Ah putain, il me faut du tissu. Et je crois que j'en ai qu'un de tissu. Je crois que j'en ai récupéré. Bah vu que j'en ai bouffé plein, je crois qu'il m'en reste plus qu'un. Ouais, j'en ai plus. Ok, j'en ai plus qu'un de tissu, donc malheureusement, je vais pouvoir en fabriquer qu'un. Bon, c'est pas grave, j'aurai déjà de quoi en fabriquer un deuxième, à la limite. Ça, par contre, je vais le fabriquer... je vais le fabriquer là. Faut que je fabrique pas très loin de là où je suis, donc je vais fabriquer à la limite, je vais fabriquer là. Voilà. Fabriquer là, hein. Voilà. Ouais, là, c'est bien. Là. Ok, et là du coup, il me faut de quoi l'alimenter. Hop, je vais juste l'alimenter quand même. Aller détruire l'autre. Et voilà, et puis on s'arrêtera sur ça. Du coup, on va s'arrêter sur la destruction de l'épurateur d'eau. Du distillateur d'eau. J'ai du mal, je sais pas pourquoi je dis épurateur d'eau. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Mais bon. Ah bah, il me redonne tout. Ah, il me redonne tout. Ah, il me redonne tout. Attends, il me redonne tout. Oh là là. Peut-être pouvoir en fabriquer un autre, alors. Attends. Je t'ai vu, toi. Je peux pas la récupérer. Et je vais le mettre juste à côté. Hein. Je vais le mettre juste à côté. Là. Voilà. Hop. Mais du coup, ça veut dire deux fois plus de... Deux fois plus de combustible. Quand je dis combustible, c'est-à-dire que ça, je vais en mettre deux fois plus. Voilà. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. C'est super, on a bien avancé. Et puis, du coup, ça change. Hein. Ça change. Ça change de ouf. Je suis content. Donc là, ça avance tranquillement. Ça avance tranquillement. On prend une petite photo parce que du coup, j'ai jamais pris de photo de la base. Donc je vais prendre une petite photo. Comme ça, j'aurai une petite photo souvenir.
Bon bah écoutez les amis, on s'arrête sur ce sur cet épisode, on reprendra la prochaine fois. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je vous remercie encore pour le soutien. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, la petite cloche qui fait plaisir, le petit commentaire. N'hésitez pas, dans la description, vous avez lien Twitch, lien Discord et puis le lien Instant Gaming qui vous permet de gagner un peu d'argent sur vos jeux préférés. Allez, à plus tard les amis. Ciao ciao.